Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément l'épisode 14 de la série sur le Visual Basic. Et dans cette vidéo, on va voir un visionneur d'images, on va appeler ça comme ça va permettre de voir les images. Donc, ce que j'ai déjà fait à l'avance, parce qu'en fait j'avais essayé de filmer, enfin j'avais déjà commencé avant, mais ça avait bugué et tout, donc je commence, mais j'avais pas beaucoup avancé de toute façon. J'avais pas fait de code, j'avais juste fait ça. Donc là j'ai mis une picture box et là j'ai mis juste deux boutons. Voilà, tout simplement. Voilà. Ensuite, dans le bouton quitter, j'ai mis juste end pour fermer le logiciel. Et dans l'autre bouton, j'avais pas commencé à coder. Donc là, on va commencer. Donc pour commencer, on va avoir besoin, enfin pour ça, on va avoir besoin d'un truc dans la liste là, c'est open, open file dialog. Attendez. Oui. Donc, vous double-cliquez sur open file dialog, il va apparaître là, c'est comme quand on utilise des timers. Donc, on double-clique pas dessus, non. Donc, vous cliquez juste une fois dessus et là, vous avez les options. Voilà. Donc, file. En fait, ce qu'on va avoir à modifier, ça va être juste file name. On va le modifier en rien du tout, tout simplement. Et voilà. Donc là, on a l'open file dialog. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est dans le code du bouton sélectionner la photo. Ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre open file dialog point show. Dialogue. Maintenant, si on lance, ça va ouvrir ça. Et là, si et après, on peut sélectionner le truc qu'on veut. Hop, background, je sais pas ce que c'est, voilà. Ensuite, hop, quitter. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est que ce qui va, comment dire, ce qui va être à dedans, enfin ce qu'on va l'endroit qu'on va sélectionner, il apparaît dans la picture box. Donc déjà ce qu'on va faire dans la picture box, vous allez dessus, vous avez une petite flèche, et là vous mettez en center image. Comme ça l'image elle sera au centre de la picture box. Ensuite on retourne dans le code. Et c'est le code de la picture box et on met picture. Attends, hop, je vérifie. Box 1. Image location, donc c'est pour la location de l'image, est égal, je sais pas si avec égal ou quoi, on va mettre ça comme ça, on va mettre open file dialog, donc ça va être profile name, donc ça va être l'endroit choisi, non open file dialog, donc ça doit être égal, il faut utiliser. Voilà, donc là il n'y a pas d'erreur, on lance, on sélectionne la photo, donc moi je prends une des miniatures. Donc là j'ai monétisé toutes mes vidéos avec AdSense, hein, mais c'est pas pour vous embêter avec la pub, c'est pour pouvoir mettre des miniatures et voilà. Donc si vous voulez vous pouvez prendre un bloqueur de pub, hein. Ça bloque les pubs. On fait ouvrir. Et là, ça nous l'affiche. Bien sûr, bah, s'il y a des parties blanches, il y a des parties blanches, on n'y peut rien. Donc là, ça affiche la miniature. Si on sélectionne une autre photo, par exemple, bureau, icône. Hop, icône, et on sélectionne ça. On attend un petit peu que ça charge. Voilà. Ça l'affiche. Ensuite, on clique sur quitter, ça quitte. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'était juste une petite vidéo vite fait pour faire un visionneur d'image. Et voilà.